Yahoo, dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du manga Dead Company. Le manga Dead Company est un manga en 3 tomes des éditions Kiyun et c'est un seinen. Nous sommes dans les catégories action, horreur, mystère, psychologie, survival game. La série est âge conseillé aux 14 ans et plus et public averti car violence. Donc la série date de 2019 au Japon, de août 2020 en France pour son premier tome et le dernier tome étant sorti en mai 2021. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Yoshiki Tonoga, un mangaka qui a 3 autres tomes disponibles en France. Les 3, je te les ai présentés, si je ne dis pas de bêtises, l'an dernier. En tout cas, ils sont disponibles sur la playlist Halloween Manga Challenge. Enfin, manga pour Halloween. Toujours est-il, il y a les avis sur les 3 autres séries qui sont très récents. Ah là là, Yoshiki Tonoga, un mangaka qu'on a déjà vu 3 fois en France. Donc forcément, pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, on ne va pas changer grand-chose. Pour ce qui est du manga, en fait, alors, il y a du pour et il y a du contre. Il y aura beaucoup de contre, je te préviens. Mais il y a aussi pas mal de pour par rapport à cette série et l'explication, en fait, du choix de l'auteur. En tout cas, de ce que j'en ai ressenti. Ce que je pense, en fait, c'est que l'auteur a voulu nous donner des réponses car lors des 2 premières séries, donc Doubt et Judge, on suit des gens qui sont kidnappés et qui se retrouvent à devoir subir un survival game dans un bâtiment enfermé, abandonné au milieu de rien. Et donc on découvre qu'il y a forcément des gens qui sont par derrière, qui tirent les ficelles. On nous le fait comprendre, on le découvre plus ou moins que justement il y a des gens qui sont derrière tout ça. Mais on n'en a jamais su plus. Là, dans Dead Company, en fait, on va suivre justement l'autre côté du miroir. On va être de l'autre côté du miroir et donc on va suivre les gens qui sont responsables de tous ces kidnappings, de tous ces jeux de survival game, etc. On découvrira dès le départ en fait, qu'on est avec un jeune homme qui a survécu il y a 3 ans de ça, parce que ça a commencé il y a 3 ans. C'est un jeune homme qui a survécu, il se fait embaucher par une boîte qui sélectionne justement les gens qui ont vécu cette chose pour les mettre dans leur société, qui est une société de jeux vidéo. Donc oui, comme tu l'as sûrement déjà compris par toi-même, en fait, la société de jeux vidéo se sert d'humains, de réels humains, pour voir et s'inspirer par rapport à leurs jeux vidéo et créer des jeux vidéo de survival game. Là-dessus, on va forcément suivre les aventures de ce jeune homme qui découvre le secret. Sera-t-il pour ou sera-t-il contre cette histoire? Je te laisserai le découvrir. Mais sache qu'honnêtement, donc le pour, c'était qu'on avait enfin une explication, une explication de l'auteur de qui on fait ça, pourquoi, etc. Personnellement, je trouve la réponse, je ne vais pas dire facile, mais décevante. Je pense un petit peu quand même facile, mais surtout très décevante. Et honnêtement, en ce qui concerne cette série-là en entier, je ne l'ai pas du tout aimée. Je dois t'avouer que donc mon ordre de préférence, c'est Judge, Doubt, Secret. Et encore Secret, si tu as vu ma vidéo, tu sais que j'en suis pas spécialement fan. Et alors, Dead Company est 4e du coup sur les 4 œuvres de l'auteur. Ce qui est pas très faramineux et surtout c'est pas folichon non plus. Voilà, donc je suis énormément déçue par cette série. Il faut savoir, je le redis au cas où, mais que je garde que les mangas que je surkiffe. C'est mes préférés, mes petits chouchous. Il y a des titres que j'ai revendus et que je regrette amèrement. Hein, merci Pika qui a encore annoncé récemment la fin de série de pas mal de titres. Mais voilà, en tout cas, sache que j'ai été énormément déçue. Si tu comptais l'acheter juste parce que tu as surkiffé les autres œuvres de l'auteur, honnêtement, passe ton tour. Si tu veux juste savoir en fait l'envers du décor et qu'est-ce qui se passe dans les 3 volumes, envoie-moi un message, je te répondrai et ça te coûtera rien du tout au lieu d'acheter 3 volumes d'un manga qui est au prix de 7,51€. Ça fait mal. Voilà, un petit message à Ibi, c'est gratuit, c'est rapide et tu auras toutes les informations. Mais voilà, donc en ce qui concerne ce manga, c'est la plus grosse déception que j'ai eue depuis le début de l'année dans les séries que j'ai lues en entier, bien entendu. Donc voilà, et le moment où je filme, on est début juin, on est le 8 juin au moment où je filme cette vidéo, mais depuis le début de l'année, c'est ma plus grosse déception. Voilà. Ma note à côté de moi, il n'y en aura pas, tout simplement parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, honnêtement. J'ai trouvé ça assez bâclé et j'ai pas envie non plus de mettre une note
C'est pas que j'ai pas envie de mettre une note parce qu'elle est négative, c'est juste que j'ai pas envie de mettre une note parce que je serais même pas jugée tellement il y avait des moments où je décrochais totalement de ce que je lisais. On termine donc avec mon avis sur les couvertures. Je trouve qu'on est vraiment toujours dans l'univers du mangaka, donc ça c'est très plaisant. Donc le tome 1, donc, on retrouve les masques, lapins, etc. Toujours ce côté un peu mystérieux de qui est derrière le masque, etc. et compagnie. Les couleurs, bon, ça je suis pas trop fan du... Surtout le rose en fait, parce que ça fait pas très Halloween, ça fait pas très manga de frissons et autres. Donc voilà, c'est ça où je suis le plus déçue. Pour ce qui est de l'arrière, on est sur quelque chose d'assez similaire. Je vais te montrer ça, hop. On est vraiment sur quelque chose de très 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 similaire au niveau de l'arrière. Pour ce qui est de qu'on enlève la couverture, on n'a pas la même illustration, on a juste le lapin qui était tout seul. Voilà, on a juste zoomé et enlevé le reste. Pour ce qui est de l'arrière, mais en fait, d'accord. Donc en fait, ils ont dissocié l'image là avec le lapin et le reste. Ils en ont fait le lapin et le reste. C'est exactement la même illustration. Voilà. On va continuer directement avec le manga 1. Hein. Je vais te montrer l'intérieur, donc la page d'accueil. C'est juste plusieurs cadavres et comme ça. Pour ce qui est du tome 2, c'est ça, en fait, à chaque fois, on a le même principe. On dissocie l'illustration. Hop là. Quand nous, ça donne la même illustration avec les crânes. Et on n'a pas du tout de récap de ce qui s'est passé. Pour ce qui est du tome 3, donc on a l'illustration. Et l'autre côté. Je veux juste vérifier, mais non, on n'a pas de récap des personnages. Sinon, ça, ça n'a jamais été fait, je crois, pour l'auteur. Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur les couvertures, etc. Pour... L'avis des couvertures en soi, j'adore, je les trouve magnifiques. Les couvertures solides, j'adore parce que ça permet de dissocier les deux illustrations, le fond, l'avant, et je trouve ça plutôt pas mal. Après, le recyclage de la page d'entrée, c'est dommage. La page de sommaire qui est basique, et en plus, on n'a pas de récap des personnages, c'est encore plus dommage de ce qui s'est passé. C'est un petit peu dommage, donc ça fait pas forcément une note très faramineuse. Cette vidéo sur le manga Dead Company est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire toi ce que tu en as pensé de ce titre, car je sais que vous avez été plutôt nombreux à l'avoir lu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre ici la dernière vidéo de Yoshiki Tonogai et ici je te mets la playlist Halloweenesque. Comme ça, si jamais tu as envie de voir toutes les vidéos, je te retrouve sur cette playlist. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte Vinted dans la barre d'infos, plein de codes promo, les liens vers d'autres réseaux sociaux. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!